Au fond, tu voudrais être libre. Quand la joie te touche. Bonjour et bienvenue, je suis Farzad Felezi, consultant formateur en prise de parole communication. J'ai animé cette émission pendant quelques temps, peut-être que ce sera vous demain, peut-être que ce sera d'autres qui prendront la main. Dans tous les cas, prendre la main et embrasser cette responsabilité d'être dans les médias, tout le monde en est capable, tout le monde peut donner le « là » et parler depuis là où je suis aujourd'hui. Accueillons nos deux invités. Guy, bonjour. Bonjour, Farzad. Bonjour, Mona. Bonjour. Alors, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Ou alors, est-ce que vous aimeriez que je lance un sujet? Tu as un sujet? Ben, pourquoi pas, parce qu'on vit dans un temps très intéressant aujourd'hui, où la force économique, médiatique, de communication et aussi politique, a été abandonné quelque part, d'une part par les gens, et accaparé par certains d'autres. Et ça crée une grande souffrance. Ça crée une grande souffrance parce que les gens ne se parlent plus les uns les autres. Ce qu'on regarde à la télé, c'est souvent quelque chose qui va nous vendre, quelque chose qui va nous proposer l'intérêt de quelqu'un d'autre. Nous travaillons en tant que salariés pour des institutions multimilliardaires qui appartiennent à quelques personnes, de la haute bourgeoisie. Les conditions de travail sont de plus en plus délétères et les droits sont de plus en plus petits et faibles. Bafoués. Et face à ça, la colère gronde. La colère gronde, elle est à un stade où je le ressens. Nous sommes en train d'arriver à un point de non-retour. C'est-à-dire que si ceux qui ont le pouvoir entre leurs mains aujourd'hui n'écoutent pas ce qu'il y a à la base de la pyramide, nous allons être confrontés à d'immenses problèmes, de très grandes violences. Et moi, ce que je dis, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé cette émission avec Guy, c'est de voir comment nous pouvons vivre libre, comment nous pouvons sortir de ces carcans, de ces sentiers battus, afin de pouvoir avoir une vie sans heurts. Je vais vous donner un exemple simple. Ce week-end, j'étais à Elbourg, et j'ai été accueilli par une famille dans un gîte extraordinaire. Et ils m'ont raconté une histoire qui m'a vraiment bouleversé. Ils m'ont dit qu'ils avaient monté une petite industrie locale avec 25 autres producteurs pour être autonomes, indépendants, parce qu'ils croient que tout peut se faire ici à La Réunion avec les Réunionnais. Mais que dès qu'ils ont commencé à produire, à réussir, il y a eu des mafias qui se sont installées et qui sont venues leur proposer des contrats dans lesquels ils sont tombés, dans des pièges financiers. Et dans le carcan de ces gestions, ils se sont retrouvés en faillite. Ils ont été mis en faillite, tous. Et des gens qui avaient travaillé, des gens qui avaient la compétence, des gens qui savaient lire et écrire, des gens qui se sont donnés à fond, qui ont mis toute leur vie sur la table, qui l'ont misée, se sont retrouvés du jour au lendemain sans rien. Restant avec des tracas, des soucis financiers et un terrible sentiment d'injustice que quelques privilégiés de la haute bourgeoisie venaient de leur prendre cette part, toute petite part de liberté qu'ils avaient tant travaillé pour faire fleurir, tu vois, comme si tu avais fait fleurir un jardin, que quelqu'un d'autre vient, il le retourne et dit « je te fais un crédit pour te le refaire, mais demain ça m'appartient », etc. Et bien face à ça, il y a des gens qui se radicalisent, qui deviennent extrêmement violents. Et on peut dire que c'est normal. D'autres qui s'éteignent, c'est-à-dire que ils s'effondrent. Ils s'effondrent dans la maladie, le cancer, la dépression. Et d'autres encore qui partent. C'est-à-dire qu'ils disent « je vais partir de La Réunion, ailleurs ce sera mieux ». Le problème c'est qu'ils auront beau aller aux États-Unis, en Europe, en France ou ailleurs, ce sont les mêmes systèmes qui existent. Où on détruit l'homme et la nature. Donc moi je dis aujourd'hui, c'est bien, on a créé une émission, des gens viennent sur le plateau comme Mona, pourquoi pas davantage demain, pourquoi pas prendre en main ces médias, et moi je suis prêt à former ceux qui voudraient venir ici, prendre la place, je suis prêt à la laisser, je suis à 144 km d'ici, aller-retour, pour moi ça n'a aucun sens de venir tout seul, encore si on arrivait du sud à 3-4 pour animer ça,
Que ce soit des gens qui habitent dans le coin, que ce soit des personnes qui volontairement veulent parler de ce phénomène de vivre libre, moi, je suis tout à fait OK pour ça. Voilà. Je crois qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui peuvent, qui sentent le besoin de manifester au fond d'eux quelque chose qui reflète leur élan. Parce que tout ce qui se passe, en fait, ça abolit l'élan. Les gens se sentent, comme tu disais, brimés, étouffés par tout un système. Et cet élan, il est brimé. Et je crois que notre seule solution, c'est justement d'être acteur de cet élan, tu vois, et de faire en sorte que cet élan, il aille au-delà de toutes nos difficultés et rencontre les gens qui sont en difficulté et qu'on puisse s'entraider les uns les autres dans la solidarité, la bienveillance les uns envers les autres, tu vois. Et pour faire ça, je crois que ce n'est pas, comme tu dis, moi je pense qu'il y a un phénomène qui vient là, qui va de pire en pire, où la violence va éclater. On a construit des bombes atomiques depuis tellement longtemps. On va pas, c'est pas des joujoux, ça. Au bout d'un moment, il y a un fou qui va appuyer sur la bombe parce que voilà, il veut encore plus, encore plus, encore plus. Ben, ne serait-ce qu'à l'île de la Réunion, certains se disent la statue Mahé de la Bourdonnais, faut la déboulonner parce que c'était un esclavagiste, etc. Bon, après qu'on a déboulonné, qu'est-ce qu'on fait? On va déboulonner la haute bourgeoisie, on va attaquer leurs enfants, Oui, on va c'est kidnapper toute les la gens, bataille. comme ça se fait dans beaucoup de pays en Amérique du Sud, etc. Qu'est-ce qu'il y aura face à ça? Une répression encore Bien sûr. pire, beaucoup plus violente, De toute avec des façon, la armes, avec des bataille. gens qui vont être blessés, mourir, des enfants qui seront attaqués. Et au milieu de tout ça, on pourra se dire, le temps où on aurait pu agir, venir parler sur un plateau, prendre nos droits économiques et s'affirmer sur le terrain politique, il sera révolu. Ce temps-là sera révolu, ce sera trop tard. Bien entendu, cette émission, on l'a démarrée sur, on va dire, la plus haute stature, au sommet de ce que peut être une révolution de la conscience pour vivre libre, qui est dans la sagesse humaine qui réside et demeure dans son cœur, pour le bien. Et de cela découlent d'autres actions dans le monde. Mais il est évident que si personne ne s'y investit, rien ne se produira. Comment tu vois ça, Mona? Je crois beaucoup en l'action. Je crois à la réflexion, mais si elle est, si elle amène à, si elle débouche sur une action, mais attention, une action qui va amener un changement, une transformation. Mais en t'écoutant, je réalisais encore plus à quel point le problème de l'être aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a derrière toutes ces cette violence, c'est une souffrance accumulée qui n'a jamais été exprimée, partagée, et qui est en train de devenir une bombe atomique. Et on parle beaucoup de la violence, mais tout phénomène a une raison derrière. Toutes ces masses, moi je vis dans un pays où la masse vit avec rien, avec 5 centimes et parfois moins que ça, où les gens meurent de faim à chaque seconde, où les conditions de la vie humaine, on peut même pas parler de conditions de vie humaine, et tout ça n'est pas vu. On ne regarde pas, mais quand on se promène en train avant d'arriver dans ces grandes villes, dans ces mégalopoles, on traverse 10 ou 20 km de bidonville où c'est un spectacle, mais hallucinant, hallucinant. Et donc, bien sûr, il y a un tel contraste entre la souffrance du peuple en Occident et ce que mes yeux ont vu là-bas, que évidemment on ne peut pas comparer, et ça n'est pas un jugement,
que je dis, mais la souffrance, elle est toujours subjective. Personne ne souffre plus ou moins que quelqu'un d'autre. Mais je crois que c'est un siècle où il faut mettre en priorité la guérison. Et la guérison, ça passe par l'expression. Moi, j'ai lu il y a très longtemps un livre qui m'a bouleversée, qui s'appelait « Communiquer ou mourir ». Et on peut mourir lentement, sans que personne ne le sache. Pourquoi ? Parce que on n'a pas exprimé. Et c'est ça qui se transforme en violence. Donc, si tu, vous pouviez créer une plateforme... Mais attention, les gens ne vont pas faire que parler. Il faut réfléchir. Moi, j'ai pas de solution. Mais je dis juste que lancer, comme on disait la semaine dernière, ripple effect, un mouvement où on va permettre aux gens de s'exprimer, où on va créer une famille de communication, ça peut produire quelque chose de très beau. Ça peut produire une véritable libération où tout ça qui n'a jamais été compris, entendu, va peut-être prendre une autre forme, va peut-être amener à une autre perception de pourquoi j'ai eu cette expérience, comme tu parlais de ces gens qui avaient créé et puis on leur a tout pris, ils se sont retrouvés sans rien. Mais peut-être amener une autre compréhension de ce qu'ils ont vécu. À quoi ça leur sert? Ça peut leur servir aujourd'hui. Quel est le message qu'ils peuvent transmettre aujourd'hui? Quelle est la leçon à tirer de ça? C'est ça. Comment être autonome, indépendant, ne pas croire aux promesses des uns et des autres, de tenir ferme face à la justice, de venir se réapproprier un pouvoir économique ou politique. J'envoie le bonjour à Claudine. T'es toujours la bienvenue sur ce plateau. Tu seras accueilli soit par moi, soit par Guy, soit par d'autres. Guy, comment est-ce que tu vois cette situation? Parce que depuis le temps qu'on parle, toi et moi, la question est vraiment très sérieuse. Beaucoup nous prennent pour des fous, pour des gens qui philosophent, tout ça. Mais au fond, beaucoup de ces situations-là, on les a vécues. La faillite, la débandade familiale, les critiques, les jugements, la misère, la pauvreté, ce sont des sujets extrêmement sérieux. Si ça ne vient pas toucher notre langage aujourd'hui, c'est que l'attention s'est orientée ailleurs, certes. Mais pour parler au public qui nous regarde là, qu'est-ce qu'on peut dire? Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on va, Guy? Déjà, il semblerait, dans tout ce que tu viens de dire, que la souffrance soit rendue, si tu veux, un peu comme... du tourisme. Tu sais, on regarde la souffrance comme un tourisme qui regarde le monde va mal, oui, bon. On regarde, on voit, et puis on dit, ben, on peut pas rien faire. Mais celui qui regarde et qui voit les choses comme ça, ben, c'est parce qu'il est dans son petit privilège. Et qu'il ne sait plus avoir un cœur envers ce qui se passe vraiment. Tu vois, il s'est éloigné totalement de la réalité de ce que l'homme vit, en fait, la vie qu'on a, chacun d'entre nous, la souffrance qu'on a. Il s'est déconnecté de ça. Et c'est cette déconnexion qu'il faut peut-être voir que c'est un danger aussi. Parce que notre monde, il va dans ce sens-là, va vers la déconnexion de l'un envers l'autre. On se méfie les uns des autres et tout ça. Et il semblerait que tout ça, ça devienne traditionnellement accepté dans nos vies. Et puis on dit, ben, on peut rien faire. Et ce rien faire-là, c'est fataliste. Et je crois que c'est dans ce fatalisme-là, il faut qu'on se regarde et qu'on voit que nous sommes nous-mêmes créateurs de tout ça. Et qu'il faut qu'on sorte de toute cette fatalité qu'on a créée en soi envers ces choses qui sont là-bas. Parce qu'on n'aime pas les regarder. On n'aime pas se dire que là, en face de moi, il y a ce que je reflète. C'est mon image. C'est le monde que j'ai en face de moi. Ben, c'est tout ce que je vis aussi au fond de moi. Mes problèmes, mes vengeances, mes violences. Et tout ça, ça me reflète. Le monde reflète ce que tu es au plus profond de toi. On dirait bien que
nous avons perdu la capacité à nous regarder tels que nous sommes. Et que même le petit bien-être que l'on va chercher dans une méditation ou une technique quelconque n'est qu'un divertissement pour du mieux-être. Et tu vois, je faisais le kilomètre vertical depuis Elbourg jusqu'à Belouvre. Paysage magnifique, montagne couverte de forêts verdoyantes, avec en contrebas le village. Sur le chemin, nous croisons des gens, bien entendu, qui montent et qui descendent. Et là, je rencontre trois jeunes femmes et un enfant. Et je leur dis, c'est beau quand même là où nous sommes. Oui, c'est beau, c'est magnifique. Et je leur dis, mais comment se fait-il que nous sommes habitués à voir la misère, la souffrance, la pauvreté, en disant c'est banal. Mais quand on arrive sur un paysage comme ça, on se dit c'est extraordinaire, c'est beau. Alors que ça aussi c'est nous. Pourquoi cette beauté n'est pas plus banale pour nous? Pourquoi est-ce que le reste qu'on a à traiter est devenu banal? Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans son esprit, mais elle m'a répondu la chose suivante. Elle m'a dit ici c'est beau. Et c'est bon pour se ressourcer. Et moi, j'ai vu dans cette image comme si nous étions des gens qui avons la tête sous l'eau des égouts, pas l'eau pure et limpide. Et de temps en temps, on va respirer à l'extérieur. C'est de temps en temps, on va aller dans la nature. Mais à chaque fois, on revient dans cette eau putride et qui reste à nettoyer, finalement. Je me demande, je me pose la question, peut-être que ça va faire partie des dernières émissions dans lesquelles je suis, parce que moi-même, c'est limite au niveau financier. Certes, on n'a pas le même niveau de vie qu'en Inde, mais comme la vie coûte cher, ben, on est obligé d'aller au travail. Et moi, comme je suis indépendant, je travaille deux fois plus qu'un salarié, parce qu'il n'y a pas de retraite, pas de chômage, rien. Donc si d'autres ne prennent pas la place, je ne pourrais pas poursuivre cette œuvre. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai refusé d'autres opportunités par ailleurs. Par exemple, à mes débuts à l'île de la Réunion, j'étais invité par un monsieur multimillionnaire dans l'immobilier. Et il m'a invité au Luxe Hôtel avec ma femme. Et nous avons eu une sérieuse conversation ensemble où il nous a parlé d'Inde, qu'il aimerait justement visiter le Rajasthan. Et tout à coup, nous on lui parle du Kerala et puis il dit « Non, j'irai pas ». Dans le sud de l'Inde. Mais pourquoi? C'est aussi beau, il y a aussi des ashrams. Beaucoup de grands maîtres sont là-bas. Il y a la Runachala aussi, tout ça. Bref. Il dit non, parce qu'en fait, il y a trop de pauvres. Et moi, je ne peux pas ça. Qu'un pauvre me touche, qu'un pauvre me regarde, que de côtoyer la pauvreté et la misère, ça, je ne peux pas. Et cet homme avait une vie très épanouie, on va dire au niveau financier. Il n'avait besoin de rien. Son salaire net, c'était minimum 1 million par an, sans compter tous les biens qu'il avait accumulés. Et pourtant, il y avait cette peur immense. Et il m'a dit « Rejoins-moi pour devenir comme moi. » Et de l'autre côté, j'avais rencontré Guy. Et Guy m'a dit « La liberté appartient à ceux qui savent abandonner ce qu'il leur est proposé comme bénéfice pour demain. » Mais personne ne t'oblige à rien. Instinctivement, intuitivement, j'ai suivi la voie de Guy, ce qui m'a amené ici. Et cette voie nécessite aujourd'hui peut-être une action forte, comme t'en parles, tu sais, de mettre les choses en place de manière très sérieuse, de manière très vigilante, de manière très intelligente, que ce soit au niveau économique, au niveau politique, médiatique. Que cela puisse avancer, parce que sinon, bah, tout comme l'arbre qui est coupé par l'industrie du meuble, eh ben, il pourra s'essouffler et la forêt s'amenuire, parce que ce sont des choses fragiles là, qu'on entretient. Comment vous voyez ça? Je pense à cette phrase magnifique qui a été dite, je crois, par les tribus indiennes, nord-amérindiennes. Nous sommes ceux que nous avons attendus. je pense souvent à cette phrase et je me le répète. Et,
Et je suis celle que j'ai attendue. Je le sais. Donc, ça ne va pas être une question de nombre. Il faut commencer, il faut que quelqu'un commence. Peu importe où, comment. Mais c'est que dans l'action que quelque chose démarre. Les gens qui travaillent dans la matière, qui sont des artisans, des plombiers, des mécaniciens, des pâtissiers, j'aime beaucoup ces gens parce que ils mettent les mains à la pâte. Et donc, moi, j'ai vécu dans un milieu extrêmement intellectuel depuis mon enfance. Et des fois, je m'ennuyais parce que on a besoin d'un équilibre entre la réflexion et l'action. Et donc, de la même façon qu'un pâtissier, si tu veux manger une pizza ou une tarte au citron, elle ne va pas venir par la pensée. En Inde, on dit une brouette, il faut la pousser avec les deux mains. Elle démarre pas avec la pensée. Donc, je crois que il faut être réaliste aussi. Nous vivons dans un corps humain. Notre esprit est libre, mais nous sommes, l'être humain a une double nature. C'est-à-dire, son esprit est libre et peut voler, peut transcender toutes les choses. Mais nous sommes un esprit incarné. Et dans cette incarnation, on a des choses à accomplir. Et on les accomplit avec notre pensée, mais aussi avec notre cœur, avec nos mains, avec notre temps, avec notre énergie. Et nous devons faire travailler tout ça en unité. Et pas séparer la pensée et l'action, le cœur et la tête. Il est temps de travailler avec un modèle complet, où on met tout ça en activité, toute notre centrale, notre parlement, tout ça doit travailler en même temps. Et donc, oui, c'est ça, c'est le temps, si tu veux, pour donner aussi un message d'espoir, c'est que, attendez, tout n'est pas perdu, tout n'est pas fini, mais tout commence. Parce que, pourquoi ? Parce que c'est le temps. C'est le temps de vivre une conscience élevée, c'est le temps de recréer l'humanité, mais j'avais un professeur, Alexandre Jodorowsky, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais il a été mon premier éveilleur, et il nous disait... L'être humain n'est pas encore né sur Terre. Et donc, c'est tout ça, ces manifestations d'effondrement, de violence, ce sont aussi les signes de quelque chose qui est en train de naître. Et je crois qu'il faut voir cela. Et il ne faut pas perdre espoir. Au contraire, un petit peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, quand on va croire que tout est perdu, mais non, c'est à ce moment-là que l'anneau, qu'est-ce que c'est l'anneau ? C'est l'anneau de l'ego, qui va être, grâce à Gollum d'ailleurs, combien et comment tout le monde va devenir un acteur du changement, même quelqu'un qu'on croyait être l'ennemi numéro un. Et donc l'anneau de l'ego sera jeté dans le sacrifice du feu. Wow. Je vois ça comme ça. Mais peut-être je rêve. Non. Merci de rêver. Oui, parce que ça nous fait rêver aussi. C'est extraordinaire parce qu'en fait, le fin fond de chacun d'entre nous, c'est ce qu'on aspire en fait. On aspire à ce que les choses soient vécues avec beaucoup d'harmonie, d'amour et de joie. Et tu peux prendre n'importe quel être humain sur la planète, tu vas lui demander qu'est-ce que tu veux. Ben, il va te dire ça, je veux être heureux, je veux être joyeux, je veux vivre ensemble en paix. Personne ne veut la guerre, je ne pense pas, mais cette chose est arrivée à cause d'une inconscience qu'on a cultivée. Un dernier mot peut-être, avant de conclure. J'ai pas vu le temps passer. Ben oui, moi non plus. On se met à l'ouvrage alors. On se met à l'ouvrage, allez. Voilà. Allons se mettre à l'ouvrage et voir dans nos cœurs ce coffre-fort, quel trésor il cache. À bientôt pour vivre libre. Je ne sais pas qui a dit ça, que la vie était comme ça. Tu ne peux pas changer. Oh.
vrai robot, sans raisonner sur le programme, sans la joie d'être en vie.